Et maintenant, il est dans une secte. Des gens malfaisants. Il m'a raconté le MIF, Mouvement contre l'impérialisme féminin. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai été sur Internet, non, des malades, des malhonnêtes. Des gars qui n'aiment pas les femmes. Ils appuient leur théorie sur info, les protocoles des sages du Fion. Bon, ben, bienvenue, j'ai envie de dire, à cette conférence de presse du MIF. Alors, qu'est-ce que le MIF? Qu'est-ce que le MIF? Mouvement contre l'impérialisme féminin. Il faut être aveugle aujourd'hui pour ne pas constater l'hégémonie de l'oubli féminin. S'appuyant sur la loi scélérate de la parité, ce puissant lobby a su imposer une présence dominatrice dans les secteurs clés de l'économie, de la finance, des médias. Et de bien d'autres encore. Putain, où est-ce que tu fous tes poings, toi? Tu les mets à l'endroit. Mais que s'est-il passé? Pour mieux comprendre les événements qui ont conduit à la prise de pouvoir des femmes, il faut s'interroger sur l'origine de la femme. Cette race aussi particulière, au physique si singulier, pectoraux flasques et pendouillants, absence de tuyaux urinaires. Les astronomes de l'Égypte ancienne, Cocunaton et Finir la Pisse, ont émis l'hypothèse selon laquelle la femme serait apparue sur Terre en l'an 5 du calendrier Inca, année de la poule chez les Chinois. Hasard ou réalité scientifique? Elles auraient été créées, selon eux, par les extraterrestres afin de nous détruire. Nous constatons malheureusement que cette théorie s'est confirmée au cours des siècles qui ont suivi. La femme, eh oui, où la femme a su s'imposer, et ce, de la manière la plus fourbe, se rendant par exemple indispensable aux tâches ménagères et dans l'éducation des enfants. Homme, réveille-toi, il en va de ta survie, c'est clair. Et je crois que tout le monde est... Non, c'est bon, on n'est pas dans un meeting, hein, calmez-vous. Je vais laisser d'ailleurs la parole maintenant au responsable scientifique du mouvement, donc le docteur Fang Li. Fang, il est maraîché ton micro, vas-y. Objectif de la PAM, toujours dans le pouvoir. Exemple, chérie, moi, je vais faire petit plat que toi, tu aimes. Non, ça, c'est piège de PAM. Elles veulent comprendre le goût que toi, tu aimes, de comprendre la ongle de l'un, de l'autre, pour bien te niquer. Chez nous, la bouddhiste, nous toujours dit que la pomme, la comme la eau sucrée, que toi tu la bois, que toi tu dois. Non, je ne sais pas si toi tu comprends. La pomme, toujours dans le petit volume, dans le corps, toujours moi, la pomme méchant, toujours le petit le cheveu, la comme infériorité dans la musculaire, toujours comme ça pour cacher les looks dedans, pour que je venir le manger. Chez nous, la Chine, nous la comprenons, la dangereuse de la pauvre la pomme. Maintenant, pour 20 ans, tout le petit le bébé pomme jeté poubelle. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord. Dans le domaine de la résistance, voilà le chinois, il est fort. Franchement. Professeur Kadour Sifdin, donc responsable MIF pour toute la région du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie,
région parisienne. Alors. La femme. Wallah, c'est Satan. La vérité, c'est Satan. Chez nous, les musulmans, attention, ils sont capables de se mettre à quatre sur un homme. Musulmans, ils les résistent, mais il y a des limites. Pour ça, en cas de débordement, on a prévu un petit caillassage de défense. Tu restes à ta place, ta mère. Le problème de la femme, la stratégie d'approche de la femme. Voilà, à côté, le chacal, il est honnête. Toujours, elle arrive. Tu m'as jamais aimé. Tu demandes la capacité du réservoir de flotte qu'il y a là-bas. Le son qu'elles émettent, sa mère, pour te niquer les nerfs de la tête. C'est une fréquence qui est étudiée par les extraterrestres, attention. Pour te faire péter les tuyaux de la tête. Si jamais, et toi, si par geste, par, tu sais, par légitime défense, pour tes tuyaux de ta tête, vas-y. Tu la juste petite, petite claque de fin de discussion, même pas que la malle. Et c'est parti, tu m'as cassé la mâchoire. Et la déportation dans la cuisine, et patatitata. Attention, les femmes, elles essayent de faire passer la violence conjugale comme crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, attention. Si cette loi, ça passe, où là, je rentre en Algérie. Qui est des reconnaissances, des repentances. Qui est des repentances, des réparations. Hein? C'est déjà fait braquer une fois, merci beaucoup. La question, vas-y, pose ta question. Bonjour, donc Fernand Louvier, magazine Homme Actuel. Je voulais savoir, à votre avis, est-ce que la stratégie de la pleurniche peut durer encore longtemps? Toujours quand même. J'ai souffert, ta mère t'a souffert. Tout le monde l'a souffert. Et alors, les hommes n'ont pas souffert, l'Africain. Pose ta question là, vas-y, vas-y. Oui, bonjour. Non, non, l'autre, d'abord, d'abord. François Zetoun, Magdalene Tétu. Contestez-vous la victime, parce que dans vos propos... Joker. L'Africain, vas-y. Oui, bonjour, Franco Poupard, le magazine de Copus. Alors moi, j'ai la question pour M. Runette, le responsable MIF pour les Antilles. Vous avez déclaré, M. Runette, sur le site internet Plémoin Zizi, Plémoin Café, la Café Calofès, la femme, c'est comme la fusée, c'est ça, je ne comprends pas. C'est là que je voulais avoir les explications. Il n'y a pas de problème, je peux répondre. Il n'y a pas de problème, nous allons répondre, nous, là, bon. Alors, je répondais, c'est vrai, c'est la vérité. J'ai dit, la femme, c'est comme la fusée. Moi, au départ, je ne suis pas scientifique, attention. Attention, je ne suis pas scientifique. Ah non. Contrairement à mes collègues, là, moi, je suis chanteur. Chanteur pays, c'est moi qui chantais, n'a pris ma main en main, n'a quasi dit tout dur. Et voilà, c'est moi. Hein, on m'appelait les Jacques Brel de la Martinique. Bon, je crois. Moi, je crois que là, alors, je crois. Pour moi, sur le plan structurel, physio-structurel, la femme, c'est comme une fusée. Il y a deux étages. Il y a la partie haute de la femme, la partie haute, comme on dit, la tête de la femme. Avec tout le système de guidage, je vais par là. Et il y a la partie basse de la femme, voilà, la coupe de la femme, hein, qui est la partie la plus sympa, la plus facile à comprendre. Il y a moins d'électronique à l'intérieur, c'est plus... Mais on ne peut pas séparer les deux parties, attention. Beaucoup d'hommes chez nous disent, oh, c'est comme la covette, je retire la tête. Non. La femme n'est pas une covette. Pour bien comprendre, je crois qu'il faut regarder. L'histoire de la femme. Même l'histoire, derrière, on est parti, alors. Il faut remonter dans l'Égypte ancienne. Moi, je parle avant 1998, avant les débuts de Lilian Thuram. Bon.